Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc euh, comme vous avez pu le voir dans la miniature, il s'agit d'un petit gilet pour chat ou pour chien, ou petit chien on va dire. Euh, après tout va dépendre du nombre de mailles de base que vous allez faire. Donc moi, euh, la mienne elle fait 5 kg, elle pèse 5 kg, c'est une petite, hein. elle n'est pas très très grande. Et euh, comme vous pouvez voir sur la miniature, ça lui va parfaitement bien. J'aurais pu le continuer, le faire plus long. Après, peut-être que je l'agrandirai, je ne je sais pas. On va voir. Donc, en attendant, je vais vous montrer les bases pour faire le col. Donc, euh, ce que l'on passe par la tête du chat. Les espaces pour passer les pattes. Les deux pattes avant, en fait. Et puis je vais vous montrer comment on fait pour monter. Mais il n'y a rien de compliqué, c'est des brides, il y a un rang de mailles serrées et le reste c'est que des brides, des mailles en l'air et un point élastique au départ. Donc voilà, j'ai crocheté avec le crochet numéro demi. Donc c'est parti. Alors vous prenez votre fil, votre laine, votre coton, peu importe, comme vous voulez. Vous faites votre petit nœud coulant et vous glissez le crochet à l'intérieur. Voilà. De façon... ce que ça puisse bien... bien tenir. Donc, on va monter. Pour ce modèle-là, on va monter 40 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez monter jusqu'à en avoir 40 au total. Et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 40 mailles chaînettes. Maintenant, je vais venir unir à la première par une maille coulée. Tout simplement. Comme ceci. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que la base de vos mailles chaînettes elle va déterminer à peu près à peu près la taille de, du cou de votre chat ou de votre chien. Plus vous allez faire des mailles, plus la base va être grande, plus le gilet va être grand, tout simplement. Ensuite, on va venir faire trois mailles en l'air, équivalent à une première bride, et sur chaque maille, on va venir faire une bride. Donc un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille suivante, j'attrape mon fil, j'ai trois boucles. Un jeté, je passe à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux deuxièmes, les deux dernières, pardon. C'est ce qui nous donne une bride. Je vous remontre. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement quand je vous montre les points parce que c'est vrai que pour les débutantes, c'est pas forcément facile. Donc je rentre dans la maille suivante. J'ai trois boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les deux premières boucles. Un second jeté, je passe à travers les deux dernières, ce qui nous donne une bride. Comme ceci. Je rentre, j'ai trois boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les deux premières, un jeté à travers les deux dernières. Et on va faire ça tout le long. Donc au total, nous allons nous retrouver avec 40 brides, en fait 39 plus précisément, plus les trois mailles en l'air du départ que l'on considère comme notre première bride. Voilà, donc je termine tout mon rang en bride et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé ma dernière bride. Maintenant, pour le deuxième rang, on va faire le point élastique. Donc, comme on va commencer par une bride en relief avant, puis une bride en relief arrière, la maille coulée, au lieu de la faire dans la maille, dans la troisième maille en l'air, on va passer derrière entre la première bride et la deuxième finalement vous rentrez et vous faites votre maille coulée comme ça celle-ci elle est déjà en évidence par l'avant on monte avec trois mailles en l'air donc celle-ci est considérée comme une bride en relief avant maintenant on va faire une bride en relief arrière vous faites un jeté sur votre crochet vous passez entre la première bride par-dessus la deuxième, on attrape le fil et on fait une bride tout à fait normalement, sauf qu'on est passé à l'arrière. On va alterner bride avant, bride en relief avant, bride en relief arrière. Là, on doit faire une bride en relief par l'avant. Toujours le jeter sur le crochet. Vous passez en dessous, vous attrapez votre fil et vous faites votre bride. En relief par l'arrière, maintenant au lieu de passer ici, on va passer comme ceci et on fait notre bride. Je vous remontre bride en relief avant. Celle-ci, c'est simple on passe en dessous de notre bride précédente, du rang précédent. On fait notre bride pour le relief arrière. Au lieu de passer comme ceci, on va passer comme ceci. Ça veut dire le relief, il sera à l'arrière, vous voyez Voilà. Relief avant, on alterne à chaque fois. Maintenant, relief par l'arrière. Je vous remontre une dernière fois. Une bride en relief avant, c'est-à-dire qu'on passe sous la bride. On attrape, on fait notre bride tout à fait normalement. Et pour la faire en relief par l'arrière, vous voyez le crochet, je le passe comme ceci et comme ceci. Et j'attrape mon fil par l'arrière comme ceci. Donc on alterne. Un coup, une bride en relief avant, un coup, une bride en relief par l'arrière. Au bout de quelques rangs, ça va commencer à nous former le point élastique. Donc là, nous sommes au deuxième rang. Et on va faire le même procédé pendant le rang numéro 3. Le rang, non, nous sommes au troisième rang, pardon. Donc, le rang numéro 3, c'est celui que nous sommes en train de faire. Le rang numéro 4 et le rang numéro 5. En fait, pour ce, pour ce modèle-là, j'ai fait trois tours de points élastiques. Comment vous repérez Par exemple, là, j'ai discuté avec vous. Mince, je ne sais plus si j'ai fait une bride en relief avant ou une bride en relief arrière. Ben, je vais vous montrer. Vous voyez, le relief, il est face à vous. Donc, c'est que la bride, elle a été faite en relief par l'avant. Et quand la bride est enfoncée vers là-bas, au contraire de vous, en fait, dans le sens contraire, c'est qu'on l'a faite par l'arrière. Vous voyez, à chaque fois sa forme, la bride, là, elle ressort vers nous, là, elle ressort par l'arrière, elle ressort vers nous, elle ressort par l'arrière. Donc, je termine ce rang-là, je fais le rang numéro 4 et le rang numéro 5. De la même façon, mais je vais vous montrer quand même comment on fait pour faire la maille coulée. Donc je termine ce rang et on se retrouve. Voilà, donc vous terminez automatiquement par une bride en relief arrière. On arrive aux trois mailles en l'air du départ. Comme tout à l'heure, vous passez dessous et vous faites votre maille coulée. Parce que là, on va repartir exactement pareil. Trois mailles en l'air. Et là, on va suivre tout simplement. Je prends un peu de fil. On va suivre tout simplement le même schéma. Là, on voit qu'elle est en relief arrière. Donc, on passe ici, on l'attrape par l'arrière, on l'enveloppe par l'arrière. Et celle-ci, on l'enveloppe par l'avant. Par l'arrière. Par l'avant. Maintenant, si le point élastique, ça vous prend la tête, si vous n'aimez pas le, le crocheter, ce point-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez vraiment faire en bride normale ou en maille serrée. Là, c'est vraiment moi, comment j'ai fait ce modèle-là. vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Vous pouvez agencer, fin, euh, fin, agrémenter comme vous, vous avez envie, en fait. Hein. Le principe est d'alterner. Si on fait une bride en relief par l'avant, on sait que la maille suivante, ça sera une bride en relief par l'arrière. Donc je fais ce rang-là, plus le rang d'après, c'est-à-dire le rang numéro 5, et on se retrouve pour le rang numéro 6. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 5. Bon, finalement, je me suis arrêtée à la fin du rang numéro 4, mais vous, allez jusqu'au rang numéro 5, pour que ça vous fasse quand même une bonne petite longueur pour le col, si vous avez envie. Je vais vous montrer comment on termine. Comme d'habitude, vous passez par l'arrière et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va faire un rang de brides. Tout simple, le rang numéro 6, c'est un rang de brides. Donc 1, 2, 3. Et sur chaque maille, on va faire une bride. Donc au total, on doit bien en avoir 40 comme au départ. Et sur chaque maille qui se, qui se présente devant vous, vous faites une bride simple. Il n'y a plus de relief. Vous pouvez faire aussi un, un, un col beaucoup plus grand hein, que ce que moi j'ai fait. Vous pouvez faire, je sais pas, 5, 6 rangs de, de points élastiques. Hein, C'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Donc on va en bride de bride en bride jusqu'à la fin de ce rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon rang de brides individuelles. Je rentre dans la troisième maille en l'air cette fois-ci et je fais une maille coulée. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Maintenant, on va passer à un rang d'augmentation. Donc, on va faire trois mailles en l'air équivalent à notre première bride. La maille suivante, une bride également. Et dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation, c'est-à-dire deux brides sur la même maille. Et on va répéter ainsi de suite. Deux brides individuelles, c'est-à-dire une bride sur les deux mailles suivantes, une bride chacune. Et dans la maille suivante, on fait deux brides au même endroit. Première bride individuelle, la maille suivante. Deuxième bride individuelle. Et sur la maille qui suit, deux brides au même endroit. On répète. Maille suivante, une bride individuelle. Maille suivante, une bride individuelle. La maille qui suit, deux brides au même endroit. Vous faites ça tout le long et on se retrouve ici. Voilà. Une fois que vous avez fait votre tour, D'augmentation, vous unissez à la troisième maille en l'air avec une maille coulée comme d'habitude. Maintenant, on arrive au rang numéro 10. Donc, on va faire trois mailles en l'air équivalent à notre première bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Ça nous fait trois brides d'affilée. 1, 2, 3. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est en train de créer l'espace pour les pattes. Si pour vous 7, c'est trop petit, faites-en plus. Ou si c'est trop grand, faites-en moins. On va venir sauter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la huitième, ici, on va repartir avec une bride. Vous voyez, ça nous fait l'espace. Et au total, on va en faire 8. Donc, la deuxième, à côté, la troisième, jusqu'à ce que l'on ait 8 brides. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième bride. Donc, on a fait trois brides, enfin trois mailles en l'air, deux brides, correspondant à trois brides. 7 mailles en l'air, on a sauté 7 mailles et on a fait huit brides d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Forcément, on saute 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la huitième. On repart avec nos brides jusqu'au jusqu'à arriver ici. Donc on va venir faire des brides tout le reste durant du tour. Sur chaque maille vous faites une bride sans vous poser de questions. On continue tout le tour. Jusqu'aux trois mailles en l'air du départ, en fait. On finit notre tour en faisant des brides individuelles sur chaque maille. De toute façon, si vous avez un souci, si vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. Tout en haut à droite vous avez les trois petits points vous cliquez dessus et vous avez la vitesse de lecture que vous pouvez modifier ou sinon vous me posez des questions et je vous y répondrai avec grand plaisir voilà j'arrive à l'avant dernière et je suis sur la dernière donc maintenant je vais m'accrocher sur la troisième maille en l'air et je fais ma maille coulée. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Ensuite, on va faire. Alors là, il n'y a pas plus simple. Et puis tous les tours seront les mêmes. Trois mailles en l'air correspondant à une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Ici, on a sept mailles. Eh bien, sur chacune des mailles, on vient faire une bride. Pour compléter notre rang, sur chaque maille, vous faites une bride. Là, on le fait une fois et on va devoir le faire la deuxième fois. Comme on a fait le deuxième espace, on fera exactement pareil. Donc je compte 1-2-3, 1-2-3, 4-5-6-7. Je sais que c'est bon, je suis arrivé au bon endroit. Je continue mon trajet avec mes brides sur chacune des mailles qui se présentent à moi. Voilà, j'y suis au deuxième espace. Je fais exactement la même chose que pour le premier espace. C'est-à-dire sur chacune des mailles en l'air, on en a sept, on va venir faire sept brides. Deux, trois, quatre, cinq. 6 et 7. Je prends du fil et je continue sur la maille suivante. Je fais ma bride tout à fait normalement et je continue jusqu'aux 3 mailles en l'air du départ de ce tour. Donc là, on va le terminer ensemble. Et il y a mes cheveux qui se coincent dedans. Une maille une bride tout simplement pas de difficulté on s'embête pas c'est répétitif on peut pas se tromper si vous n'avez pas le bon nombre de mailles ou que vous vous êtes trompé ne vous embêtez pas vous faites soit une augmentation si vous manque une maille vous faites une augmentation quelque part si vous en avez une en trop vous faites une diminution quelque part ça se verra pas du tout faut pas vous en faire pour ça, c'est pas un souci, c'est vraiment euh, du pur plaisir quand on fait du crochet, surtout que là c'est pour habiller nos petites, euh, nos petits animaux, Donc, euh, ou même pour offrir, hein, si vous avez vos proches que vous allez voir pendant les fêtes, qui ont des, des petits animaux, euh, petits chats, très petits chiens ou gros chiens, gros chats, peu importe. Vous pouvez leur faire un petit cadeau, c'est mignon quoi. Alors moi, la mienne, je ne lui mets pas parce que, enfin, je lui mets que quand elle est à la maison, mais comme euh, elle sort toujours, elle est toujours dehors, elle chasse, euh, enfin bref, elle fait sa vie dehors, euh, j'ai peur qu'elle me l'abîme en fait. Donc voilà. Une fois arrivé au fond, à la fin, pardon, troisième maille en l'air, maille coulée. Et ce rang-là. Celui que nous venons de faire là, vous allez le répéter, le répéter, le répéter, le répéter jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour votre animal ou pour l'animal pour qui vous faites ce gilet là. Donc, je suis montée en bride, en bride, en bride. Chaque tour, j'ai fait que des brides, que des brides, que des brides. À chaque fois, j'ai fait trois mailles en l'air au départ de chaque tour. Bride tout le long. Mailles coulées, trois mailles en l'air, bride tout le long, maille coulée, et ainsi de suite. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 tours de, de brides après les espaces là. Et après vous faites un tour de mailles serrées, pour finaliser, ou un tour de hum, écrevisse, point écrevisse, ou comme vous voulez, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais plus vous allez faire de tours, plus le gilet va s'agrandir. Enfin, plus il va être long. Il ne va pas être plus grand, il va être plus long. C'est au niveau de la longueur. Il faut voilà. C'est vous qui allez voir jusqu'à jusqu'où vous voulez travailler. Et si vous voulez faire deux autres pour les pattes arrière, deux autres espaces, et eh ben vous faites exactement comme on a fait là. Rien ne change. Vous essayez de faire à peu près au même endroit. Voilà, vous gérez à peu près comme vous avez envie. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et euh, ben en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Prenez soin de vous. Salut, salut